Je suis super contente de te retrouver cette semaine pour une vidéo que vous avez fortement demandé. Parce que du coup, on avait fait un épisode 1, donc si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite fortement à aller le voir. Donc cette semaine, nous allons faire une petite dégustation, les yeux bandés. C'est un épisode spécial Asie. Donc j'espère que la vidéo te plaira. Et nous avons choisi chacun 5 putains d'ingrédients. Et si j'allais mettre un petit sondage juste au-dessus, je t'invite à voter pour qui tu es. Donc au chéri ici présent, Victor, ou moi, celle que tu suis tous les jours et qui normalement tu devrais voter pour moi. Voilà, allez, on commence. Non mais attends, mes cheveux ne passent pas avec le bon tour. Puisque c'est toi qui commence et que c'est moi qui commence à faire goûter. Ça c'est délicieux. ça veut dire que c'est dégueulasse. Mais peut-être que comme ça, ça va peut-être pas l'être. C'est parti. Attention, je m'approche. Attends. C'était la pâte de curry. Ah, presque. Ah ouais, allez, ouais, non, on l'accorde pas. Eh oh, c'est marqué garam masala. C'est marqué pâte de curry. Wow. Allez, vas-y, ça passe quand même. Bah oui, ça passe. Tu le dis, hein. C'est moi qui suis la détentrice de cette chaîne, donc ça passe. Mais putain, c'est quoi ça? Ah, ça pique la gueule. Waouh! Ah, tout seul comme ça là? Ça, c'était l'étape 1. On l'attend un peu ou quoi? Non, si, vas-y, mais je m'attendais pas à ce que nature ça pique autant quoi. Alors, ça, j'expliquerai ce que c'est après. Ouais, et... franchement, l'odeur. Bon, allez. Je t'en mets une dans la bouche. C'est sucré? J'en sais rien. C'est écrit en chinois dessus. Enfin, en chinois, du moins en mandarin asiatique. C'est quoi? Eh bien, ce... Attends, remets. Ça a du goût? C'est comment? Bah, c'est pas dégueulasse. Mais après, la pâte de curry, tu sais, ma langue, elle est tellement anesthésiée. Je veux dire que l'odeur, ça me dit pas du tout. C'est un peu sucré? Oui, c'est sucré, ouais. Comment pas du gingembre, non? C'est du lotus. Bah non, c'est pas dégueulasse. Graine de lotus sucrée, tiens. Si, c'est écrit en français. Forcément. C'est écrit en français sur l'étiquette. En tout cas, l'odeur dans le paquet, c'est pas fameux. Ça, je peux le dire. Du coup, j'ai un point sur 5. Un point sur 5. Alors, on passe au suivant. Ouais. On va essayer celui-là. Attention. Hop là, 1-0 pour Benfica. Oh, ça va, c'est le truc apéro ça. Ouais, c'est... c'est quoi des... Ouais, bah c'est des gâteaux apéro à base de riz en fait. Ah ouais, ça rappelle, tu sais, les galettes là. Et les galettes de riz que tu manges pour les régimes. Pour te caler. Pour voir. Ah ouais, non, c'est ça, c'est bon. On mourra moins bête. Attends, est-ce que j'ai réussi à deviner? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, j'ai dit que c'était des trucs apéro, donc ça marche. Non mais là, franchement, si on commence... moi j'appelle la barre, hein, je te dis. La quoi? La barre. C'est quoi ça? T'as jamais vu? Non! Les arbitres là. Tu peux contrôler là parce que franchement là. Il y a du sopin là parce qu'à mon avis tu vas tomber. Ah, crotte, vas-y! Ah, d'accord! Ah, mais t'as qui est con! Attends! Ah, mais c'est huileux! Ah, c'est huileux! Ah, mais attends! Putain, j'ai vraiment tout partout! C'est un aime! Non! Ah là! Attends, laisse-moi deviner! Ah là non! Non, là non! Là on peut pas l'accorder, va! Attends! Mais c'est mort! T'as dit une réponse! Eh, on a le droit à un choix multiple ou quoi là? Tu crois que tout le monde veut prendre sa place ou... Qui va gagner des millions? Je demande un 50-50, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot. Mais il y a des petits légumes et c'est un truc frit ça. Eh bien ce sont des samosas. C'est une blague? Non, c'est pas une blague. Sérieux, c'est un samosa ça? Je sais pas si vous allez voir la caméra, mais oui c'est... Je croyais que c'était pour moi que t'allais. Ah bah tu veux le finir? Vas-y, bah prends les mains maintenant, vas-y. Ok. Toi t'as pris des trucs pas trop dégueulasses toi. Bon c'est bien pour moi, mais ça va être mal pour toi après quoi. Bon bah ça se termine, il en reste plus qu'un. Non mais du coup j'ai qu'un point. Allez, dernier ingrédient. Des chips de légumes. Ah. Ah putain c'est dégueulasse. C'est vrai? Un dernier goût à la fin. Ah ça me dit quelque chose. Ah non j'aime pas. Ah c'est dégueulasse. Oh, pas, regarde. Ah j'aime pas du tout le dernier goût. Ce sont des chips de banane. Ah bon? Ouais. C'est une blague. Ça passe de banane. Je me suis dit putain ça va être le meilleur. Non mais c'est pas de la banane, c'est de la banane plantain. C'est pas la même chose hein. C'est pas la même chose. C'est des bananes spéciales salées ça. C'est pas des bananes bananes. Enfin si c'est des bananes mais. Bon bah du coup, je suis une grosse merde. Parce que je n'ai deviné que un ingrédient sur 5. Peut-être 2 tout au plus hein. Non, oh ça pue.
Bon, j'ai même pas d'eau, c'est son père. Bon, du coup, j'ai deviné un ingrédient sur 5, ce qui est moralement incorrect. Et c'est bigou. Tout simplement. Donc, on va voir si mon chéri est mieux que moi, mais franchement, avec ce que j'ai pris, je ne suis pas sûre du tout. Ah, tu vas voir. Je suis déjà morte de rire. Alors, est-ce qu'on commence par le truc le plus dégueulasse que tu puisses manger? À ce point-là? Franchement, ouais. Putain de merde. Je te fais goûter. Attends. Eh, franchement, on aurait dû prévoir un seau au cas où, hein, parce que là, si j'en veux pas, je te le dis, j'en veux pas. Attends, je t'en fais une petite. Mais attends, tu vas pas me donner un truc pour cracher quand même au cas où, parce que... Eh, voilà. C'est pour faire quoi, ça? Bah, c'est pour cracher. Ah ouais, d'accord. Putain, j'ai intérêt à m'aviser. T'approches le truc, là? Non. Je le sens pas du tout. Approche. Qu'est-ce que tu veux me faire bouffer, putain? Mais non, mais attends, ça craint, eh, franchement. Et on a dit, on augmentait le niveau un peu. Oh. Je veux quoi, je vois? Non, non, non. C'est comment? C'est un bout de plastique. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oh bah je peux pas trouver. Tu veux en goûter? Ah non, non, je peux pas. Franchement, j'ai deux points à assurer, vas-y, je vous appuie là. C'est des algues séchées, j'ai réhydraté. Ah ok. Bon, et bien après tout ça, est-ce que tu aurais pas un petit peu soif? C'est un fruit, mais... lequel? C'est un fruit? Oui. Non, c'est pas ça. Si, si, c'est ça. Pourquoi tu te marres? Parce que tu pourras pas trouver. Oh, je sais pas, allez, vas-y, mangue. Je sais pas. Mais c'est quoi ça? Il y a marqué cocktail de fruits. D'accord, non mais... Ouais, bah je peux toujours essayer de deviner, quoi. Cocktail de fruits, 0,1%. C'est de la poudre, en fait, et puis de l'eau. Voilà. On va passer au salé. Donc, je vais lui faire goûter ça. C'est quoi? C'est du bon ou quoi? C'est tombé de l'acier. Croque. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas? C'est quoi? C'est de la langue. Je suis pas fan du goût. Tu veux cracher? Ouais. C'est un saucisson de porc. Ok. Bah c'est pas bon. Ouais, je vois ça. Bon. Alors maintenant, on va passer au sucré. Alors, je vais te faire goûter un truc sucré. C'est du gingembre. Ouais. Mais c'est bon. Ça par contre ça m'intrigue. Ce petit truc là. C'est sucré aussi? Ouais. Hey, je m'en fous, j'ai gagné. Quoi qu'il en soit. C'est ça. Ça franchement, ça sent... Waouh, ça sent même trop bon. Alors faut que tu croques. Je te mets dans la bouche. Ça sent super bon en plus. On dirait que c'est à l'amande, non? Non, c'est pas d'amande. Ah non, franchement, c'est super bon. Oh ouais, j'avoue que c'est bon. Je le connais ce goût-là, mais... Pâte de coco et crème de soja. Le Projo est légèrement en train de me mettre en PLS. Mais c'est pas grave. Pas les volumes. Parce que j'ai gagné. Alors, moi je dis quand même, il y a de la triche. Je disais que tu ne pouvais pas avoir gagné parce que c'est ma chaîne. Et sur ma chaîne, c'est moi qui... gagne. Bon, et bien voilà, même si on est sur ma chaîne, apparemment, hein, je dis bien apparemment, c'est Victor qui a gagné, voilà. Donc pour ceux qui avaient voté pour lui, sortez de ma chaîne. Pour ceux qui avaient voté pour moi, c'est très gentil, merci. Donc, on se retrouve au même stade que la dernière fois. Bon, la dernière fois, on avait fait ça très très soft. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 1-0. Et je n'aime pas la défaite. Je suis quelqu'un qui adore gagner, donc c'est mort. Nous allons devoir continuer cette bataille culinaire. Mais non. Ah bah si, moi j'ai pas gagné, et je veux gagner. Eh bah tu gagneras contre quelqu'un d'autre. Et puis c'est tout, non? Bon, et bien nous allons faire quelque chose. C'était bidon. Est-ce que à la prochaine vidéo, vous voulez qu'on refasse une bataille culinaire contre mon chéri ici présent? Ou est-ce que vous voulez que ce soit un autre invité? Je vous laisse choisir. Donc si c'est encore mon chéri, ça me fera très plaisir. Et si c'est quelqu'un d'autre, bah venez vous défier contre moi. Qu'est-ce que vous attendez là? Moi je suis là, j'attends. Venez me défier contre moi. J'ai dit ça. Venez me défier. Venez ici. Je vous invite. Pour arriver. Je vous attends. Je suis là.
I'm here. Attention, elle est nerveuse. I'm always here. Ouais. I have a good palate. Et always lose. Et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles recettes. À jamais. Ciao. À jamais.